Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation de Matt Commando pour continuer notre ami Cypher. Donc c'est parti, on va éviter de faire la 5-3 parce que la 5-3 c'est impossible. J'avais dû donc recommencer l'épisode précédent, enfin pas l'épisode mais plutôt refaire la mission précédente parce que ça avait bugué, hein. En fait ça vous laisse sur le menu avec l'expérience etc. Sauf que l'expérience n'est pas comptée, donc c'est considéré comme si vous n'aviez jamais fait le niveau. Du coup faut le refaire. Donc bon, ça n'a pas été très long, hein. C'est histoire de 5 minutes à tout casser. Mais voilà, pour moi je préfère vous le dire. Mais ça a fait le même nombre d'expériences et autres, donc il n'y a pas de souci. Il y a juste le temps qui a un tout petit peu changé. Mais ça, ce n'est point grave. Allez hop, c'est très bien parce que j'ai pas subi du coup sa saloperie qu'il jette. Donc la 5-3 à éviter parce que tout simplement c'est limite du Defender, hein, de la Tower Defense. Faut juste se mettre dans une zone et puis tirer. Et c'est pas trop le cas, enfin c'est pas ce que je veux faire avec Cypher. Je veux utiliser quasiment que du corps à corps. Je dis bien quasiment parce que il y a quelques ennemis qui sont embêtants et qui veulent nous attaquer justement avec du feu, de la glace, de l'électricité. Ainsi que du gaz. Mais bon, ce n'est point très grave. Ce n'est point grave. On les aura quand même. Ah, il m'a eu. Il m'a eu le champion. Bravo. Tu étais plus rapide que moi. Mais tu meurs. C'est ta destinée. Alors, on est où par rapport ici? Bon c'est là-bas il me semble, donc tant qu'à faire, hein. Ouais c'est ça. Les Glabs, je peux les tuer à longue distance parce que généralement ils ont du gaz, hein. Enfin à chaque fois que je les ai vus dans ce niveau-ci, ils avaient du gaz, donc eux ils sont tuables avec une arme. Pour déjà éviter de se faire massacrer par ce gaz qui est très chiant. Ah mince, j'étais un petit peu trop lent, du coup il a pu m'attaquer. J'aurais bien voulu c'est tuer d'abord le glab, tuer le glab, c'est en plus tuer le chien ensuite, ça aurait été parfait. Allez encore, allez les majors, venez. Surtout que vers la fin du niveau, y a que des explosifs, enfin, que des flammes, donc c'est chiant. Allez. Ah. Ah bah lui par contre... Oh non mais là il va bien m'embêter lui. Voilà. Je savais pas que le dernier il allait être électrique, hein. Et hop. Oh, salaud. Et comme t'as été trop lent, c'est comme ça. Très bien. Oh, salaud. Ah, il m'a bien eu. Il m'a bien eu, lui. Saligo. Et m'attaquer dans le dos. Bon, nous serons au niveau 46 tout de même. Donc c'est convenable. Niveau 46, c'est cool. À peu près la moitié. Ça va être compliqué. Mais bon, on va faire avec. On va aller regarder un petit peu les éléments d'armes. Donc du coup, il y aura peut-être un peu plus d'amélioration pour les éléments d'armes. Parce que du coup, quand j'avais fini la mission, j'en ai acheté. Malgré que, on avait eu le bug précédemment que vous avez pu voir les éléments d'armes. Quand je l'ai refait, j'ai quand même acheté les éléments pour être sûr, pour être tranquille. Donc c'est parti. Combien d'améliorations on aura? Pas grand chose. Surtout de la cadence et de la foudre. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu les amis. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2 avec Cypher. Allez, salut à tous les amis.